Je suis le capitaine Mac Azuka Imomba, je suis le porte-parole des opérations Sokola 1. Les opérations Sokola 1 sont ces opérations qui ont pour mission de combattre les groupes armés locaux et étrangers dans les territoires de Beni et Lubero. Je voudrais par là parler des intégristes islamistes de l'ADEF qui sont en train de semer la mort et la désolation dans le territoire de Beni, mais aussi nos compatriotes Mai Mai qui sont aussi en train d'insécuriser les territoires de Lubero. Mais quel est ce message que vous lancez à tous les groupes armés qui sont encore actifs sur les sols congolais? L'opinion doit savoir que les groupes armés n'ont jamais résisté devant les forces armées de la République démocratique du Congo. Le message est simple, c'est celui de demander à tous ceux qui sont en train de semer l'insécurité dans les deux territoires de se rendre sans condition, de déposer les armes. Nous travaillons avec nos compatriotes des DDDRR. Nous travaillons avec le partenaire de l'UNICEF et beaucoup d'autres encore qui sont prêts à les accueillir. Nous, forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons souscrit à toutes les résolutions relatives au respect des droits de l'homme. Donc nous ne sommes pas des vats en guerre.